أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله الإمام أبو الحسن الشاذلي المنوفي دي الرابع اللفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل أما اللفظ فينقسم إلى صريح وكناية وما عداهما. Donc, on est sur le quatrième élément qui constitue le divorce, le quatrième pilier. Et l'imam nous dit que le lafd, donc la parole qui exprime le divorce, ou ce qui aura valeur de parmi les actes. C'est-à-dire que si dans une coutume donnée, et ici le urf est muhkam, c'est typiquement le cas où la coutume va servir d'argument légal, législatif. Si dans une coutume, c'est habituel que lorsqu'un homme sorte, par exemple, prenne ses valises et les mette dans la voiture et part, ça indique qu'il a divorcé sa femme, cela aura valeur de divorce. Et donc... la formule de répudiation, elle se divise en deux catégories. Donc là, on a déjà dit, il y a ce qui a valeur de divorce parmi les actes, d'accord ? Et il y a, d'autre part, la parole. Parmi les paroles, elle se divise en deux. As-sarih, la parole qui est claire et évidente. La parole qui est claire et évidente, c'est la parole en fait qui contient le terme divorce. En arabe, talaq. Toutes les formulations possibles qui impliquent le talaq valent pour un talaq avec un certain nombre de détails surévoqués sur est-ce que la chose est exprimée de manière à ce qu'elle soit advenue ou pas. C'est-à-dire que si je dis « je vais divorcer », non, c'est « je vais ». La question, c'est « est-ce que tu divorces à l'instant T ?» Alors, en langue française, le dire au présent est indubitablement un divorce. En arabe, c'est beaucoup moins évident parce qu'en arabe, la notion d'inaccompli, le terme, ce qu'on appelle le « mudari'a », est déjà beaucoup plus subtil. Et dans le parler des gens, on considère que la chose n'est pas établie, n'est pas faite. C'est-à-dire que le terme, ici, n'induit aucune ambiguïté. Et donc, à partir du moment où le terme n'induit aucune ambiguïté, il est sarih. Et donc, c'est le terme qui contient la formule divorce utilisée de manière à ce qu'elle n'ait aucune ambiguïté. Dans ce cas de figure, on ne regardera que l'intention d'avoir dit la parole. On ne va pas regarder l'intention du divorce ou pas. C'est important. Ça, il faut se rappeler qu'on a déjà évoqué le qasd, où il ne faut pas comprendre que c'est l'intention du divorce qui est, un rukn, qui est un élément du divorce. Non, c'est l'intention de dire la parole qui contient le terme divorce. فصريحه ما فيه لفظ طلاق على أي وجه كان مثل أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة فليزم بها الطلاق ولا يفتقر إلى نية مطلقها واحدة إلا أن ينوي أكثر. Donc ici, ce que dit l'auteur est assez clair, dans le sens où déjà les deux exemples qu'il prend, c'est des exemples anti taliq, donc tu es celle qui est divorcée, ou tu es celle sur laquelle on a appliqué le divorce. Ici, le divorce va s'appliquer. Et donc, dans les exemples qui sont pris ici,
c'est que la notion de divorce, elle est rattachée à l'essence de la femme. À la femme en elle-même, si vous voulez. Il n'y a pas de nécessité de demander l'intention du divorce. Le divorce advient. Par contre, effectivement, on va se poser la question de « est-ce que tu as voulu dire cette phrase-là » Si, effectivement, tu as voulu dire cette phrase-là, le divorce advient, quoi qu'il advienne. Et il suffira d'un seul. Ça suffira. Du moins, si vous le prononcez, si vous n'avez pas l'intention de plus d'un seul divorce, ça se comptera pour un seul divorce. Faqat. Uniquement. والكناية قسمان ظاهرة ومحتملة فظاهرة مثل قولك أنت خلية وبرية وهي كالصريح في أنه لا يقبل دعواه في غير الطلاق. La kinaya. Donc la kinaya, c'est le fait d'utiliser un terme pour autre que son sens premier. Ici, ça pourrait être traduit. Le terme kinaya ici, c'est plus la notion de figure de style. Mais ici, ça pourrait presque être traduit par peut-être par la métaphore, mais c'est pas correct. Non, ici, c'est pas. Est-ce qu'il y a une il faudrait regarder, mais il doit y avoir une figure de style en français qui doit se rapprocher de l'idée. L'idée ici, c'est d'utiliser un terme pour autre chose que ce qu'il est utilisé habituellement, d'un point de vue de la langue. Pas du point de vue de l'usage. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire d'un point de vue de la langue arabe, ou du parler des gens, autre que l'arabe. Pourquoi j'ai précisé ça d'un point de vue de la langue et non pas de l'usage? Parce que la kinaya est de deux catégories, soit les zahira, soit les muhtamala. Un zahira, c'est quoi? C'est la parole comme tu es khaliya, tu es vidé, tu es dégagé, ou tu es bariya, tu es débarrassé, tu es libre. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les deux termes utilisés sont des termes qui, à l'époque de l'auteur, avaient valeur de divorce dans les habitudes des gens, dans la manière dont ils parlaient. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que dans notre contexte, alors nous en France, quand on discute avec les différents professeurs, les différents enseignants, les différents même élèves qui étudient ce chapitre-là, on se pose la question, mais est-ce qu'en France, il y a une kinaya zahira, c'est pas sûr. Parce que, en règle générale, dans le cadre du divorce, on utilise. Les termes qu'on utilise n'ont pas valeur de divorce. Il faut comprendre ici que c'est des termes qui sont comme le sarih, dans le sens où ils sont connus comme ayant la signification du divorce. Ils sont connus comme ayant la signification du divorce. Par exemple, les gens disent « on a rompu ». On a rompu. Ici, ça ne renvoie pas au divorce, mais ça renvoie à la séparation entre deux personnes qui avaient une relation. Si on suppose que cette utilisation est utilisée dans le cadre du mariage pour indiquer la rupture d'un mariage, c'est-à-dire un divorce, on ne demandera pas à la personne « as-tu eu l'intention de divorcer ?» On va lui demander « as-tu eu l'intention de dire cette parole-là, parce qu'elle sera comme le sarih. C'est un exemple que j'ai pris parce qu'on n'a pas vraiment d'exemple en réalité en langue française. La plupart du temps, les termes qu'on utilise sont de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que, ici, la kinaya zahira a le même statut que le sarih, c'est-à-dire que le terme divorce quand il est utilisé dans les habitudes des gens.
Pourquoi? Parce qu'on ne va pas regarder si tu as voulu divorcer, on va regarder si tu as voulu dire la parole. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que le muhtamila, c'est la formule qui, elle, alors l'exemple qui prie, c'est va-t'en, pars de chez moi. Celle-là, on va accepter que la personne qui l'a prononcé dise c'est pas un divorce que j'ai voulu. Parce que ici, en fait, on va regarder son intention dans ce qu'il a voulu dire. Parce que cette kinaya, elle n'est pas manifeste, elle n'est pas apparente. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de l'utiliser pour le terme divorce. Comme les gens ne l'utilisent pas pour le terme divorce, on va lui demander qu'est-ce que tu as voulu dire. Et là, on va axer son, c'est son intention qui va être prise en compte. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que dans le premier cas, la kinaya, même si ce n'est pas le terme divorce qui est utilisé, mais c'est connu comme étant ce terme-là pour dire divorce, si la personne dit c'est parce que j'ai pas voulu que ça, j'ai pas voulu divorcer, on n'accepte pas sa réclamation parce que ce terme-là est utilisé pour désigner le divorce. Par contre, s'il utilise un terme, sors de chez moi, dégage, etc., va chez tes parents, vu que ça n'a pas le sens de divorce habituellement, on va lui demander mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Et donc cela vaudra pour le talaq selon mashhour, effectivement, parce qu'il y a divergence dans l'école. Est-ce que la kinaya muhtamila a valeur de divorce? Et on a rapporté de certains compagnons de Malik comme Ashhab que non. وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع منها الإشارة المفهمة وهي معتربة من الأخصر من في الطلاق ومنها كتابه طلاق من القادر على نطق فإن كتب الكتاب بالطلاق وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتبه. Alors déjà, cette partie de Kataba, on va en parler après. Parce qu'en fait, ça demande un certain développement. Donc, alors parmi les choses qui ont la valeur du lafz, de la formulation, il y a comme exemple le fait de les signes ou les gestes. Auront valeur de réputation. Donc en fait, le langage des signes vaut pour un divorce si la personne l'exprime. Et ça, deux choses. Même si la personne n'est pas sourde et muette, et même si la femme ne comprend pas. Donc si par exemple il utilise un terme, il utilise un geste, mais que ce geste n'est pas connu comme signifiant le divorce, même s'il avait l'intention du divorce, par exemple il dit comme ça, et dans sa tête il veut la nia du divorce, il lui indique la porte, ça vaut pas divorce. Alors, justement, on disait, le fait d'écrire le divorce, même pour celui qui est capable de dire, de parler, si quand la personne écrit, elle a l'intention ferme de divorcer,
Le divorce advient dès l'écrit. C'est important, il faut faire attention. Par contre, si la personne écrit وَإِنْ كَتَبَهُ غَيْرُ عَازِمٍ فَلَهُ رَدُّهُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْمَرْأَةِ فَلْيَزَمُهُ وَلَوْ عَقَدَ الطَّلَاقَ بِقَلْبِهِ جَازِمًا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ رِوَايَةً. Alors, si un homme écrit en consultant, dit « je divorce un tel, qu'est-ce que tu en penses ?» mais que dans son cœur, il n'y a pas de résolution ferme au divorce, juste une consultation, ça ne vaut pas pour un divorce. Par contre, s'il écrit « je divorce un tel, qu'est-ce que tu en penses ?» mais avec l'intention du divorce, le divorce advient quand la personne le reçoit lors de la consultation. Donc s'il écrit avec l'intention du divorce ferme, vaut pour un divorce. Il a l'intention de consulter sans l'intention de résoudre le divorce, ça ne vaut pas pour un divorce. S'il a l'intention ferme de divorcer et que la personne le reçoit, dès que la personne le reçoit, parce qu'en fait il informe la personne du divorce, ça vaut pour un divorce, même si c'est une intention de consultation. La dernière chose qui est importante, c'est que même si on écrit sans l'intention ferme de divorce et que la femme reçoit, même par mégarde, ou même trouve la lettre, donc comprenez dans notre contexte, email, SMS, etc., ça vaut pour un divorce. Quelqu'un qui envoie par mégarde, je divorce, ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Au lieu de l'envoyer à son pote, il envoie à sa femme, divorce, même s'il n'avait pas le hasme. Même s'il n'avait pas la résolution. Et donc, si il n'est pas résolu, il peut très bien dire, effaçons ça, non, je ne la divorce pas. Là, c'est possible. Mais tant que si la femme le parvient, le divorce est prononcé. Celui qui, dans son cœur, a l'intention ferme de divorcer, l'imam dit qu'il y a deux riwayas, mais évidemment ce qui est connu dans l'école de manière manifeste, le mashhour, ce qui est sûr et certain, c'est que ça n'advient pas. Il n'y a pas de divorce qui advient à cause de l'intention ferme du divorce. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا الكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.